La famille, moi qui pouvais pas parler, dit depuis hier, Destiny Etiko est à la une des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une actrice nigériane du Nollywood, très talentueuse, très populaire, avec plus de 6 millions et poussière de suivis seulement sur Instagram, ok? Elle est populaire, oui, parce que parmi elle et ses copines, Dier, dans le Nollywood, c'est Destiny qui est la plus suivie sur Instagram. Quand elle parle ses copines, dont les gens avec qui ils ont commencé, les Lazy Gold et tout cela, bon, vous voyez, c'est Destiny qui est la plus suivie, c'est toujours elle qu'on donne, on dit quoi, donc c'est toujours elle qui a les contrats, les, bah, tous les jours, comme je peux dire, ok, donc, elle a décidé cette année d'aller fêter son anniversaire aux États-Unis et on dit que, hey, il y a actrice et actrice, il y a influenceuse et influenceuse et maman, hey, il dit, hey, Destiny, elle a décidé d'aller aux États-Unis célébrer son anniversaire, son 35e anniversaire cette année. Et comme vous tous vous le constatez, maman, c'est les dollars qu'on peut voir. Hey, hey. Il dit, les fans de Destiny aux États-Unis, ils ont organisé l'anniversaire pour elle, le farotage était de taille et tout cela. Mais les fans de Destiny, alors, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé quoi alors? Ils n'ont pas aimé l'habillement de Destiny. Vous connaissez que ah, les fans comme cela, ils ont souvent à dire. Donc, certains d'eux étaient en commentaire. Ils disaient que, ah, Destiny, non, tu pas nous, tu ne peux pas changer pour une fois seulement. Que pourquoi est-ce que tout le temps tu mets tes fans dans le bavardage? Que ça, c'est quel genre d'habit que Destiny a porté jusqu'à même danser. Elle ne pouvait pas passer. À chaque moment, la main était toujours là pour, vous voyez ce qu'elle est en train de faire dans la vidéo. Donc, elle ne peut même pas bien danser parce qu'il faut qu'elle arrange un peu la robe et tout ça. Parce que si elle n'arrange pas deux minutes, là, ça serait sur le ventre et on va tout voir les et tout cela. Et vous tous, vous connaissez que Destiny, c'est quelqu'un que elle est bien, elle est comme la guitare, maman. Il dit que hey, c'est l'embanganjo qu'on veut voir. Il dit, elle est comme la guitare. Même comme on dit que wo, 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 elle allait où là-haut. Mais c'est pour Destiny qu'on voit que hey, il y a des gens qui disent que est-ce qu'elle est même allée? Est-ce qu'elle allait? Mais il y a des gens qui disent qu'elle allait aussi. Vous comprenez de quoi je parle? Je vous dis la vérité. Pour elle, c'est vraiment nickel, comme on dit là. Pour Destiny, vrai, vrai, si elle est vraiment allée là-bas rentrer, non. Regardez-moi ça. Regardez-moi les. Il dit qu'elle est baganjo de ça. On dit que Destiny, Dieu t'a créé, Dieu t'a donné tout. Mais l'habit que tu portes, non, non, non. Les fans de Destiny disent que non. Pour elle, c'est là, non, maman, c'est de trop. Que on doit questionner où c'est son styliste, où c'est son quoi là-haut. Que comment est-ce que tous les fêtes que Destiny pas haut, c'est qu'on l'invite au Nigeria, au partout, au, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas donner un habit très chic à Destiny de porter? Que ça, c'est quoi parmi les gens? Que si elle portait une robe peut-être un peu, bon, du genre, ils étaient en train de mettre ça en commentaire. Moi, j'ai fait juste la traduction. Et moi aussi, je vois la robe. La robe devait être un peu bien, ça devait... Bon, Josie, tu as même quoi à dire? Josie, tu as même quoi à conseiller? La famille, dites-moi ce que vous en pensez. Moi-même, la chaussure est bien, oui. Et la robe, bon, ça a une belle forme, mais le tissu de la robe, en tout cas, moi, Josie, tu bégayes quoi? Il dit que la robe est, ça devait être beau, mais les fentes là étaient un peu de trop. Et aussi, moi, je trouve pas le tissu de la robe très, très chic, ok? Bon, ça peut être chic pour certaines personnes, mais Destiny, à son niveau-là, elle devait s'habiller chic, donc du genre comme une vraie star qu'elle est. Hein? Donc, ses fans sont en train de dire qu'à chaque moment, elle ne peut pas surprendre ses fans comme cela, hein, avec quelque chose de bien et de classique. Certains d'eux étaient en train de dire en commentaire que, ah, Destiny, donc, tout l'argent que tu as, elle ne pouvait pas acheter même l'habit aux États-Unis pour porter, que ça, c'est quoi ça? Tous les temps, on l'invite quelque part au Nigeria où on a fait la fête des stars, que l'habit qu'elle avait même porté, tout ceci. Certaines personnes maintenant, ils sont en train de
doit être le styliste de Destiny, si elle en a un, que voilà pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le bon travail et tout cela. Vous-même, là, vous doit être même les stylistes, là, comme cela. Vous connaissez même que souvent, les stylistes, là, ils travaillent qu'avec ce que les stars aiment. Ça peut être que c'est ce que Destiny a voulu porter pour son anniversaire, hein, parce qu'elle voulait aussi que la vidéo circule. Vous connaissez que les réseaux sociaux, c'est là. Il dit bien, c'est le showbiz. Oui, c'est le showbiz. Il y a des gens que s'ils ne s'habillent pas comme cela, non. Non, c'est que les marchés là ne doivent même pas prendre. Vous comprenez un peu, non? Dans la vie des réseaux sociaux, c'est différent de la vraie vie, comme je vous dis tous les jours ici, là. Bon, peut-être elle a voulu porter ce que, bon, les gens devaient partager la vidéo et tout, et tout, et tout. Mais, Destiny, tu as le baganjo, maman. Ton docteur, là, il a bien fait le travail, maman. Tu as, oui, ça, ce n'est pas le bébé. Il a dit, moi-même, quand je regarde la vidéo, il que yes, so, l'angasi a le baganjo, comme on dit là. Hey! Il a dit, jusqu'à... Mais Destiny, tu es comme la guitare, vraiment. Il y a d'autres personnes qui disent en commentaire que Destiny va te marier chaque année, c'est pas venir montrer, hey, je suis comme la guitare, si c'est si, va te marier. Maman, les commentateurs des réseaux sociaux, tout le monde disait Destiny va te marier, Destiny va te marier. C'est comme cela, vous avez fait sur Rita Dominique jusqu'à elle aller se marier. Maintenant là, va, donne-nous l'enfant. Mais deux, la vie des réseaux sociaux, il a dit que c'est pas pour les... C'est pas pour les légumes, oh. C'est ce que je suis comme le légume, hein. Non, 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 non. La vie des réseaux sociaux. Vous avez vu, on l'appelle qui est Regina. Vous avez vu que Regina, après tout ce qu'elle est en train de faire avec ses fans, l'andolo et tout cela, vous avez vu que Regina a glissé un peu comme cela. Ah, on a changé. La vie des réseaux sociaux, la starmania, ça vient avec beaucoup de choses. Donc, c'est ce que tu es comme le légume. C'est ce que tu n'es pas forte. Et donc, si tu sais que si tu lis un commentaire là que pan, tu ne peux pas dormir, ma chérie. Les réseaux sociaux, c'est pas pour toi. Il a dit que les réseaux sociaux, c'est pour les kwangolo, comme on dit là, les kwangolo. Hey, c'est pas pour les adjebota, hein, c'est pour les adjekwako. C'est vrai, les anglophones qui vont comprendre ce que j'ai dit là. Oui, parce que tous les jours que Destiny sort, on parle. Tous les jours, on parle. Mais pour ceci-là, on a raison de parler. Et les gens sont venus en couple, là, avec les maris et tout cela. Ils étaient en train de farouter. L'autre était même loin derrière. Il régalait seulement les baganjos de Destiny, maman. Et c'est les dollars que tu veux voir. On dit que Destiny est grand parmi ses amis et tout. C'est vrai parce que pour sortir seulement aller aux États-Unis, faire l'anniversaire. L'anniversaire, alors, est-ce que c'est le biscuit, maman? Yeah! Il dit que c'est les dollars que tu veux voir. Hey! On dit que il y a star et star, maman. Il y a les stars bracata et les stars quoi? La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, quoi là-dedans?